Fin juillet, dans le cadre de la saison d'été, le ferry accueillait tous les Palaisiens qui n'étaient pas en vacances pour un week-end d'évasion, destination Caraïbes. C'est une thématique festive, estivale, malgré évidemment le temps qui colle pas trop à la thématique. Festif avec les Caraïbes, hein, voilà, la musique, la nourriture, les plats, les couleurs, voilà. Des stands représentant toutes les îles des Caraïbes proposaient de commencer l'après-midi en dégustant gâteaux et sorbets coco. C'est le sorbet à l'ananas et au coco, hein. Les activités et animations étaient assurées par un grand nombre d'associations palaisiennes pour permettre aux gens de s'amuser et de faire la fête tout au long du week-end. Il y a différentes associations palaisiennes, il y a de la restauration par exemple, c'est le Crayola Café qui est un restaurant de Palaiso. Il y a les centres de loisirs qui ont aussi participé. Je vais demander à tout le monde, tous ceux qui veulent essayer d'apprendre des petits pas, de venir derrière moi. Les animateurs des centres de loisirs proposaient à l'occasion de ce week-end des cours et des démonstrations de danse caribéenne. Kuduro, merengue, bachata ou salsa, il y en avait pour tous les niveaux et tous les goûts. Pas à pas, danseurs débutants et confirmés se sont succédés, créant ainsi un spectacle continu pour les Palaisiens venus en simple spectateur manger un colombo de poulet ou un boudin créole. On pouvait à la fois fédérer la communauté plutôt antillaise et à la fois des... du Palaisien qui part pas en vacances, qui peut venir soit pour partager un coup à boire, faire jouer ses enfants, aller danser, aller voir un concert, l'occasion de découvrir une exposition. Un artiste haïtien vivant à Palaiso, John Louis Maboum, était en effet en résidence au ferry pour le week-end. Un artiste très accessible qui a réalisé une œuvre avec les enfants des centres de loisirs et dont on pouvait admirer l'étoile. L'amateur d'art pouvait aussi profiter d'une très belle exposition photo avant de se laisser entraîner sur la piste de danse par les rythmes chaloupés du groupe 3-7 Music.